soir avant de venir ici? Non, l'objectif sur un match sans enjeu pour les deux équipes, c'était c'était bien finir. Et bien finir, c'est par une victoire. On voulait aussi rester 13e, c'est important. Puis on voulait jouer surtout. Voilà. Je pense que pendant 70 minutes, on a fait le match qu'on voulait faire. Puis après, on a subi la furia du gaz, qu'on n'a pas su contenir assez à mon goût. Après, il y a des faits marquants. Je pense qu'à 2-1, il y a un arrêt de Perkis qui nous permet de rester dans le match. Et dans la foulée, on met le 3-1, ce qui nous fait basculer du bon côté. Après, c'était un match ouvert avec pas mal de situations offensives. Je pense que c'était un match agréable pour les spectateurs. L'objectif, c'était vraiment de jouer le coup à fond. On n'a pas du tout vu un match amical. Ce soir, il y a eu de l'intensité. Pour la suite, certains joueurs ont intérêt à faire un match comme ça. Bien sûr. Non, mais à partir du moment où c'est un match de compétition, on était dans cet état d'esprit depuis 3 matchs, à Quevilly et contre Reims. Il n'y a pas eu la victoire au bout, mais l'idée c'était de travailler aussi pour la suite, parce que tous les matchs sont importants, il y a du temps de jeu aussi pour des joueurs qui ont eu un peu moins. Bien finir la saison, ça permet aussi de rester sur une bonne note. On était dans cette idée-là, après il fallait concrétiser. En première mi-temps, on a des situations je pense qu'on peut mener au score, qu'on ne met pas. On a le mérite de revenir au score et puis après de basculer devant. Même si sur le dernier quart d'heure, j'aurais préféré qu'on gère un peu mieux. Et c'est un plaisir de revenir en Corse. Peut-être un mot sur Jérémy Brachet ? Bien sûr. Je vais pas être novateur. Simplement, ce que je lui dis à la fin, je le félicite pour sa carrière. Et puis pour l'exemple qu'il a su donner tout au long de sa carrière. Je pense que c'est un grand monsieur du football, quelqu'un de très humble. Je ne connais pas personnellement, mais j'ai forcément suivi tout son parcours. Je pense qu'il a donné l'exemple partout où il est passé, avec une énorme carrière. Et je lui dis que la suite était certainement bien aussi. Et s'il pouvait la passer, la suite, dans le foot, ça servirait le football forcément. Quoi. Et c'est le genre de joueur qu'on attend dans des staffs. Oui, bien sûr. Ouais. Si on n'avait que des joueurs comme ça, tout se passerait bien. Après, c'est un joueur d'une autre génération. On est venu avec Greg Pujol dans l'avion, parce que Greg est resté sur Valenciennes. Ouais, je pense que c'est des joueurs qui ont marqué le renouveau du gaz, avec Louis Poggi et puis David Ducourtiou aussi, entre autres. Donc c'était bien qu'il soit là pour fêter Jérémy. Et c'est bien que ça soit passé ici. Parce qu'en Corse, on s'est fêté les gens bien. Voilà, c'est bon. Merci à vous. Bonjour, je vais toujours en préparer. Ah. Ouais, je prépare toujours une conférence. Il faut toujours la préparer. Avec un papier comme ça? Tout le temps. Bah, des fois, il y en a un, et des fois, il y en a deux. Mais là, comme c'est la traduction, il y a tout. Français, Corse. C'était bien le petit message enregistré. C'est pas mal, non? Ouais, avec les joueurs, là. Ouais. C'était bien. Ça, tu l'as vu, ça s'est bien passé? Tout le monde m'a dit super, ils l'ont vu sur les réseaux. Et, hein, c'est une bonne idée. C'était bien? Ouais. Bon, il y en a qui m'ont dit, y a des joueurs qui ont vraiment fait des efforts pour essayer de parler correctement. Quoi. C'est sympa. C'était bien. Très sympa. Bah, c'est bien, je trouve que c'est des petites choses comme ça qu'il faut faire régulièrement, voilà, pour... Alors... C'est sûr que c'est pas en une fois. Enfin, on a fait ça pendant 6 mois quand même, hein, les cours. Ah ouais. Ouais. Bon, là, on n'a pas sur le texte. Hein. Le texte, on l'a appris la semaine dernière. C'est moi qui l'avais écrit. On l'a fait traduire en Corse. Moi, je l'ai fait en français. On l'a fait en Corse. Et puis après, on l'a bossé ici. On a dit qui prend cette phrase-là, qui prend ça. Ouais, moi, tac, tac. Vous révisez, vous bossez semaine prochaine, enregistrement. Sylvia a fait l'enregistrement mercredi et on a balancé le truc. Après le montage et tout. Voilà. Non, c'est bien. Alors, coach, c'est une fin de saison morose. On va dire, cette défaite, 4 buts encaissés à la maison. Il y a quand même une très belle fête qui a suivi avec Jérémy Brachet, mais. Oui, c'est vrai. 3 buts marqués quand même. Umanamente tutto ciò che è difficile arriva.
è vero questo. Capisci? Tout ce qui est humainement difficile enrichit. Eh ben, c'est ça là aussi le comment le sport et quelque part la compétition. On aimerait bien sûr, on aurait, nous on avait imaginé ce match avant pour Jérémy, pour les supporters, pour terminer la saison. On avait imaginé une victoire, une équipe qui était pétillante, mais le football, il n'est pas toujours, c'est pas une science exacte. Et aujourd'hui, le football nous l'a encore montré. C'est pas une science exacte. Alors la déception, c'est de ne pas avoir pu effectivement gagner ce dernier match-là, d'offrir la victoire aux supporters, comme on l'a dit, à Jérémy pour son dernier match. Mais finalement, comme Jérémy est quelqu'un de différent de tous les autres, bah ce soir, il finit pas sur une victoire. D'habitude, on fait sortir toujours aussi le joueur qui arrête sa carrière 5 minutes avant la fin pour qu'il soit ovationné par le public. Mais comme là, l'équipe était sur une dominante... Une dominante de retour dans le match. J'ai voulu laisser Jérémy jusqu'au bout pour que peut-être, avec lui sur le terrain, on égalise. Voilà. Jérémy Brechet, c'était un joueur qui a une qualité et qui a une expérience qui certainement vous manquer pour la saison prochaine dans l'effectif. Ça ne se remplace pas comme ça, un défenseur de ce caillou. Non seulement un défenseur, mais un homme comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un défenseur d'extrême qualité, effectivement. Je parlais encore avec des supporters de Metz qui étaient ici et qui étaient ce soir au match, qui sont en vacances en Corse et qui étaient venus me voir. Ils m'ont dit, on l'a vu jouer à Nancy, Jérémy. Il m'a dit, mais c'est incroyable qu'à 39 ans, ce gars tient autant, je dirais, le haut niveau et soit capable de faire des performances comme il le fait et répéter surtout des performances à 39 ans comme il le fait régulièrement. Donc effectivement, moi, on va perdre un grand défenseur, mais on va perdre surtout un homme énorme, hein, quoi. Un homme qui occupe une place incroyable dans le vestiaire. On s'est croisés, on a joué. Je l'ai eu effectivement dans des oppositions, quoi. Mais non, je ne l'ai pas eu sous mes ordres la seule fois. Et je lui disais que dans ma carrière, j'aurais eu la chance de croiser un homme comme ça, qui, avec des valeurs dont il y a peu de joueurs et d'hommes de cette valeur-là dans le football. Voilà. Ouais, bien sûr. Oui. Christophe, le président, on travaille sur le recrutement effectivement avec nos moyens. Il faut savoir que c'est le plus grand joueur que le Gaz ait connu quelque part, parce que avec 3 sélections, avec la carrière internationale, le nombre de matchs de Ligue des Champions, etc. C'est le plus grand joueur que le Gaz ait connu. Et ça, c'est bon, on a bien vu, hein, que Ce garçon-là ne laisse pas les gens insensibles par son talent. Mais son talent, chez lui, c'est l'humilité, c'est l'exigence, c'est le don de soi. C'est ça, le vrai talent chez un garçon comme lui. Voilà. Une question sur la saison. Globalement, l'objectif était plus de viser la première moitié du tableau. On arrivait à un maintien un peu plus cible de l'autre côté. Comment est-ce que la più bella vittoria di sta stagione, mantenersi in Liga 2. Ça, c'est la plus belle victoire qu'on a eue cette saison, finalement. C'est de se maintenir en Ligue 2. La plus belle victoire, elle est là. Voilà. Malheureusement, ce n'était pas forcément uniquement ça, notre objectif. Il faudra peut-être qu'on recommence par ça l'année prochaine pour faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire pas vouloir aller trop vite. Le premier objectif l'an prochain, le premier objectif, ça va être de se maintenir. Voilà. Quand on aura les points pour se maintenir, je pense qu'il faudra penser à autre chose. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'on procède. Parce que vouloir aller trop vite, on l'a bien vu ce soir, c'est Nancy qui se sauve à la dernière journée. Tout est difficile dans un championnat de Ligue 2. Voilà. Donc faisons les choses dans l'ordre pour la saison prochaine. Mettons en place un groupe qui va être solide, qui va être costaud, qui devra affronter des difficultés, on le voit.
Et puis, premier objectif, avoir les points nécessaires pour se maintenir. Et ensuite, on verra les objectifs futurs. Il y a déjà des contacts pour le mercato ? Oui, ça a déjà commencé il y a quelques semaines. Oui. Merci à vous. Bien, merci. Bonne fin de soirée. Bonne azera.